Du 20 au 26 mai prochain se tiendra la Semaine québécoise intergénérationnelle. C'est organisé par l'organisme Intergénération Québec. On est avec la directrice qui est en direct de Montréal présentement. Donc, Mme Fatima Ladjage qui est avec nous. Bienvenue, ça va bien? Ça va, merci. Bonjour. Merci de nous inviter à votre émission. Bien, c'est un plaisir de vous recevoir. Il y a quand même une bonne distance entre nous, mais heureusement, on est capable de se rejoindre grâce à Internet. Écoutez, Mme Ladjage, oui, vous êtes directrice de l'organisme depuis déjà quelques années, je crois 7 ou 8 ans, mais un organisme qui existe depuis une trentaine d'années. De quoi il s'agit exactement quand on parle d'Intergénération Québec? En fait, Intergénération Québec, c'est le nouveau nom de l'association L'Amitié n'a pas d'âge qui a été créée à la suite d'un besoin qui a été exprimé par la direction de la santé communautaire de l'hôpital Verdun à Montréal, où on s'est aperçu que les aînés souffraient davantage de problèmes d'isolement et de solitude que de leurs propres problèmes de santé. Ce qui fait que la direction a créé une campagne qu'elle a appelée d'ailleurs « Tout commence par un sourire entre voisins ». Et c'était une campagne d'entraide naturelle dans le cadre de laquelle il fallait, disons, emmener des jeunes des zones décollées, rendre visite aux aînés, que ce soit des aînés qui vivent à domicile ou bien des aînés dans des résidences. Oui. Et le projet, cette activité, cette initiative, elle a eu du succès. L'année d'après, en 87, parce que cette campagne, elle a eu lieu en 86, l'année d'après, donc, ils l'ont baptisé cette campagne « La semaine, l'amitié n'a pas d'âge ». Et puis d'année en année, elle a pris de l'ampleur, bien sûr, elle a touché toute l'île de Montréal, ce qui fait que toutes les écoles, on sollicite tous les organismes qui travaillent, qui œuvrent pour le rapprochement de façon principale ou accessoire intergénérationnelle, et toutes les écoles de l'île de Montréal, on les a impliquées dans cette campagne de rapprochement intergénérationnel. Mmh. C'est pour ça qu'elle a pris de l'ampleur. Donc la semaine, elle a eu 30 ans l'an dernier. Oui. Enfin, 30. Et l'organisme, en fait, il en a eu ses lettres patentes qu'en 1995, et c'est l'organisme qui a pris le nom de la campagne. Il s'est appelé donc l'association L'Amitié n'a pas d'âge, sauf que nous, pour refléter la mission provinciale, on a jugé utile de donner un nouveau nom à l'organisme. C'est en juillet 2015 qu'on l'organisme a pris le nom d'Intergénération Québec, et on a poursuivi ce mouvement, ce vent de changement pour davantage faire rayonner le rapprochement intergénérationnel à l'échelle de la province. Donc, en procédant au changement à l'occasion de la 30e édition de la semaine, l'an dernier, en 2017, au changement de nom de la semaine, et on l'a appelé Semaine québécoise intergénérationnelle. Donc, une semaine vraiment qui s'adresse à l'ensemble de la province, à tous les Québécois. Et quand on dit tous les Québécois, on parle d'intergénérationnel. C'est vraiment tout le monde, là. Ah, c'est tout le monde. Je peux vous dire que qui peut participer à la semaine, c'est des institutions, que ce soit un organisme, que ce soit une bibliothèque, que ce soit un CLSC, des résidences, des entreprises. Tous peuvent participer à cette semaine en participant à un concours. En fait, à l'occasion de cette semaine, c'est quoi? C'est un concours qui est lancé à toutes les initiatives de projets intergénérationnels qui nous viennent, comme je vous ai dit, des quatre coins du Québec. Et les activités sont très, très, très variées. Elles sont dans différentes catégories. Elles peuvent être dans l'artisanat, dans la transmission de savoir, dans les activités communautaires, les activités ludiques. Donc, tout est là-dedans. Tout est, disons que on peut prendre l'activité la plus ludique qui soit, comme on peut prendre l'activité qui a un impact très important sur la communauté, par exemple. Donc, De toute façon, c'est pas l'ampleur de l'activité qui compte le plus là-dedans, mais c'est l'initiative, j'imagine. C'est le désir de vouloir, disons, briser cet isolement-là que vont vivre certaines personnes âgées, puis de leur partager nos passions. C'est ça, c'est de créer vraiment, oui, créer surtout les occasions pour se rapprocher de l'autre, pour aller vers l'autre, et faire en sorte qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait un mieux-être collectif entre aussi bien les jeunes que les aînés. Le désir est là-dedans, bien sûr, et c'est bien sûr pour valoriser toutes ces activités, plus que dans le cadre de ce concours, dans le cadre d'un gala,
de récompense, c'est une cérémonie de récompense. On offre les projets qui se sont le plus démarqués durant l'année sont bien sûr récompensés par des prix, bien sûr symboliques. On Oui. aurait été heureux d'offrir des bourses, mais malheureusement, les moyens ne nous le permettent pas, même si nous Mais sommes encore là, c'est provinciales. l'intention qui compte. On va y revenir pour l'aspect des prix. Pour revenir au niveau de la participation pour le concours, on disait tout le monde peut participer, organisme, ça pourrait être une entreprise, ça pourrait être une corporation, un individu. Ça peut être un individu, une corporation, des bibliothèques, des municipalités. Donc, Oui. tous les organismes se peuvent participer, institutions, comme je vous l'ai Donc, il dit. n'y a aucune restriction. En fait, il n'y a pas de critères de sélection au niveau du participant. Mais Non. les projets qui vont être soumis, les initiatives qui vont être proposées, à quoi ça pourrait ressembler? Est-ce que vous avez des exemples pour nous? Écoutez, ça peut être parfois c'est des jeux de société qu'on fait entre jeunes et aînés. Oui. Ça peut être aussi des repas, par exemple, qu'on organise avec les aînés et les jeunes. Et ça crée quand même une occasion d'échange et ça crée aussi une possibilité de connaître les besoins des aînés et d'aller vers ces aînés et de les aider à réaliser par exemple ses rêves. Je peux vous parler par exemple d'une activité qui a eu lieu à l'initiative de la commission jeunesse de Gatineau. C'était à l'occasion d'un brunch de cabane à sucre. Il y a eu des jeunes et des aînés ont échangé puis sont aperçus qu'un aîné avait un rêve à réaliser et les jeunes l'ont aidé à réaliser. Cet aîné n'avait pas les moyens, il rêvait d'aller retourner à la pêche, mais comme vivait seul, comme il n'avait pas les moyens, les jeunes qui étaient dans le cas, qui participaient à cette activité, ont quand même réalisé ce rêve, on lui a permis de réaliser ses rêves. Ça peut être aussi des petites activités ponctuelles qui se font par exemple dans une résidence, c'est une école de maternelle, une classe de maternelle plutôt, qui peut aller rendre visite dans une résidence à des aînés qui vivent seuls, qui n'ont pas grand monde qui viennent leur rendre visite. Et puis ils échangent avec eux. Ça peut être un échange épistolaire, des correspondances entre jeunes et aînés. Donc la diversité est vraiment très, 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 très large, quoi. Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas de limite. Tout ce que l'imagination peut nous amener à développer au niveau de ces initiatives-là, on peut le soumettre. En fait, est-ce qu'il faut que l'activité ait déjà eu lieu ou c'est une activité qui va avoir lieu dans le futur? Les activités, il faut qu'elles aient lieu entre juin 2017 et mai 2018. Il y a un OK. délai. C'est ça qu'il faut respecter. Donc, oui. Disons qu'on ne peut pas, bien sûr, juger une activité qui est projetée, qui est projetée après, par exemple, le concours, parce que elle peut être présentée, très bien présentée dans le cadre d'un projet, mais tant qu'elle n'a pas lieu, on ne peut pas se permettre de pouvoir la juger selon les Oui. critères de sélection que nous avons établis. Donc, Donc. il est important qu'elle ait lieu entre juin 2017 et mai 2018. Ça, c'est important. Et la date limite pour soumettre notre candidature au concours, ça se fait à quel moment? C'est au mois de mars, hein, je crois. Oui, c'est avant la date butoir, c'est le dimanche 18 mars 2018, inclusivement, bien sûr. OK. Vous Donc, avez un formulaire pour la participation pardon. qu'on doit remplir. À quel moment est-ce qu'on peut, à quel endroit, pardon, est-ce qu'on peut le retrouver, ce formulaire? Oui, bien sûr, il y a un formulaire, c'est qu'on trouve sur notre site web. Oui. C'est un formulaire en ligne qu'on peut remplir directement et ils peuvent l'envoyer, on le reçoit immédiatement. Donc, Donc, Intergénération Québec, je le dis, c'est très facile à trouver dans une recherche sur Google. D'ailleurs, vous avez un très beau site Internet bien construit où on peut retrouver toutes les informations au niveau de la mission, des services, des contacts, des relations. Vraiment, je tenais à le souligner. Donc, on a dit jusqu'au 18 mars. Pour soumettre la candidature, le formulaire à partir du site Internet, à quel moment va être révélés les gagnants? Est-ce qu'on fait une activité spéciale pour ça?
Oui, c'est justement à l'occasion de la semaine québécoise intergénérationnelle et ça aura lieu le 25 mai, Oui. comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est aussi la journée québécoise, l'amitié n'a pas d'âge. C'est ce jour-là qu'il y aura la cérémonie de remise de prix. Mais Donc, ce que... puis on a plusieurs catégories, là. Il va y avoir plusieurs prix, comme on disait tout à Tout à l'heure. fait. C'est quoi les catégories qu'on retrouve dans le concours? Vous avez la catégorie communautaire, la catégorie activité ludique Oui. et activité artisanale. Vous avez l'activité aussi, le coup de cœur. On a six catégories. Six OK. catégories, six catégories dans. Et on a aussi le prix de cœur. Généralement, quand on a une activité, un projet qu'on trouve très intéressant, et puis qu'on n'a pas la possibilité. Oh, on a des petites coupures. Écoutez. OK, ça. Transmission et activité aussi de donc il y a six catégories. Six catégories au total. Rapidement, avant de terminer, au niveau des prix, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ce que je voulais vous dire aussi, Oui. que au niveau de prix, c'est une cérémonie, mais depuis quelque temps, cette cérémonie, on la jumelle aussi à une journée de ressourcement. OK. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est que la semaine québécoise intergénérationnelle devienne à tout prix une semaine de sensibilisation, d'action et de mobilisation. Parce qu'en fin de compte, notre organisme, comme rôle primordial qu'il a, c'est vraiment de sensibiliser la population et tous les acteurs du rapprochement intergénérationnel à l'importance de ce rapprochement sur la santé psychologique des aînés et le mieux-être collectif. Donc, dans le cadre de cette semaine, pour nous, il est impératif d'organiser des événements de ressourcement pour permettre à ces acteurs de réfléchir ensemble sur comment faire en sorte que le rapprochement intergénérationnel ne soit plus comme des occasions, des opportunités de rencontre où on satisfait à un besoin de façon, disons, ponctuelle, mais beaucoup plus un processus qui fait que les aînés et les jeunes se rencontrent et puis qu'ils aient des liens. Des liens durables, hein, de Oui, rendre oui. un peu une relation intergénérationnelle pérenne. C'est pour ça que cette année, on a décidé d'organiser un forum participatif dont la thématique porte sur la cohabitation intergénérationnelle comme outil de décloisonnement entre les générations. Ça veut dire que pour nous, il faut penser comment est-ce qu'on peut rendre l'habitat intergénérationnel comme un outil, comme une structure, comme un élément qui consolide le rapprochement et Oui. fait en sorte que ce soit un milieu naturel, un milieu de vie naturel, de qualité, où tous les âges peuvent se retrouver naturellement. Et ce n'est plus à l'occasion d'une activité ponctuelle que les gens se rencontrent, échangent et puis essayent de s'entraider. Tout ça, c'est pour créer un peu, dans le but de faire prendre conscience à nos gouvernants à propos de l'importance du rapprochement intergénérationnel, qu'ils puissent concevoir une politique, s'il le faut, intergénérationnelle, municipale ou au niveau provincial. Donc, on travaille avec des acteurs. Dans le cadre de ce genre de ces journées de ressourcement, on essaye d'impliquer des scientifiques, des chercheurs et aussi des acteurs et des organismes pour aborder cette réflexion avec nous. Oui. Donc, il y a des beaux objectifs, des belles missions derrière tout ça. Écoutez, Madame Ladjage, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait, mais en effet, je pense que c'est important de créer ces liens-là intergénérationnels parce que autant les plus vieux que les plus jeunes ont à transmettre à l'autre, ne Tout à serait-ce fait. que l'expérience, le patrimoine, la richesse que ces aînés-là ont accumulé de leur vécu, puis les nouvelles technologies, les nouvelles connaissances que les plus jeunes vont pouvoir leur apporter également.
Écoutez, merci d'avoir pris ce temps-là pour nous rencontrer aujourd'hui. Vraiment, on invite la population à participer en grand nombre au concours et à souligner cette semaine-là. Donc, on dit c'est du 20 au 26 mai, la semaine québécoise intergénérationnelle et la journée plus particulièrement du 25 mai. Donc, pour en profiter, pour mettre de l'avant ces beaux liens-là intergénérationnels. Encore une fois, Mme Ladjage, merci de nous avoir accordé ce temps. On vous souhaite beaucoup de participation pour le concours et une belle semaine en particulier. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.